Mec, c'est improbable. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es tombé sur ce TikTok. Je suis dans le RS6 à ton con, je traîne avec Vagos, fais attention. Si je la pète, faut que je paye la caution, mais pas grave, Poppy prête million. La daronne, elle refait, je la soulève dans la féfé. Faut que je sorte mon pistolet. D'ailleurs, si tu viens de me découvrir, sache que sur la chaîne, je fais du pur divertissement. Je peux sortir une vidéo où je construis un château en carton, emballer ma voiture entièrement de papier cadeau, ou bien faire un jeu et celui qui rigole, il saute à l'élastique. Si t'aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner, pour moi, c'est hyper important. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est très simple. En gros, tous les jours, je faisais un TikTok sur un compte que je venais de créer, où en gros, j'expliquais que tous les jours, j'allais ouvrir cette putain de porte. Comme ça, hein, je vous montre. Et qu'à la fin, le but, c'est que derrière cette porte, il y a Inox Tag. Je savais pas du tout si ça allait marcher. Je me suis dit, j'ai envie de tester. Allez, go. J'ai vu que ça a grave bien marché, la vidéo. Là, elle a 500 000 vues, là, actuellement. Même les abonnés, là, je suis à presque 20 000 abonnés. Je suis là, en train de conduire. Ma meuf, elle dort à la côté. En mode, tout se passe bien. Genre, en mode, j'ai une vie banale. Je vais rentrer chez moi, voilà. Je vais travailler, tout ça. Et là, je vois une notification d'Inox Tag. Tu sais, genre, j'étais un peu en mode... Genre j'étais choqué, tu vois, comme ça, exactement comme ça, genre je savais pas les mots, tu vois. Mais je me suis dit, oh les bâtards, ils ont créé un faux compte juste pour me faire genre et tout ça. C'est pas cool. J'ai été voir et là je vois le certifié, je vois que je l'avais identifié en story la dernière fois. Et là il me dit tout clairement, dis rien, on fait la surprise, je vais venir, je fais. Et moi la première action que j'ai eue, je sais pas pourquoi, je lui ai dit jure la vie de ta mère. Au final on a échangé et à la fin il me dit, ok demain je viens vers 15h. Il est 14h45, je suis pas bien. Et j'ai été tout à l'heure à Action acheter des confettis, voilà, j'en ai pris 3, je sais pas pourquoi j'étais stressé. Je me suis dit au cas où si la première Inox bah, l'a fait tomber, la deuxième, je sais pas, il y a une fuite d'eau et ça tombe dedans, ça nique le truc. Et la troisième, bah comme ça au moins on a une sécu. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous filmer ça, ça va être un sous forme de petit vlog où justement je vais vous montrer comment on a fait le tournage, comment le TikTok s'est passé. Voilà, j'ai un peu filmé, pas trop, parce que voilà, j'ai envie de parler avec lui et faire ça hors caméra. Le frérot Inox est arrivé. Mec, voilà, c'est improbable les gars, mais je suis là. Improbable. Même moi je sais pas ce que je fous là, mais on est là. On va pas parler les confettis, let's go. On va faire ça rapidement, il a pas le temps là. Ouais, je suis passé, j'étais de passage. Du coup, je me suis dit, bon, c'est drôle, TikTok, je vais rentrer, ça va être débat. Ah, tu vas mettre la musique? Ouais, ouais, je vais mettre la musique, ce serait plus cool. Du coup, ouais, juste, tu sais, j'ouvre la porte, je te montre. Ouais. Toi, tu fais péter le truc à l'intérieur. Ok. Juste, moi, je vais prendre ça, je vais faire un truc ici. Genre, je te dis pas, ça serait un suspense. Donc, et après, tu vois, tu rentres. Ok. À partir du moment où tu m'ouvres, tu fais ça et je rentre. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, tu fais ça et après, moi, je suis pour les confettis, je vais faire un truc là, tu vas voir. Ok. Et après, tu rentres. Vas-y. Ok, vas-y, c'est bon. J'arrive. Ça fait plaisir, on est là, yeah. On est là, on est ensemble. Let's go, let's go, let's go, let's go. Parce qu'il y aura pas le son dans le TikTok. Non, c'est improbable, t'inquiète. Mec, c'est improbable. Tout ça pour juste 30 secondes, les gars. J'apparais. C'est bien ou pas? Ouais, je pense que oui, c'est lourd, ça filme bien. Ouais, tu c'est l'as filmé comment, avec ça? Ah, ouais, avec ça, ouais, je l'ai dit comme ça. Ah ouais, la qualité, elle va être stylée. L'essayeur est là, le frérot. Et bref, voilà, au final, ça a duré peut-être 10 secondes de plaisir pour... là, je vais galérer à nettoyer. Horrible à nettoyer, gros. En plus, quand je les ai achetés, je m'en suis douté, mais je me suis dit, mais c'est pas grave. Bon bah voilà, encore une fois, grâce à YouTube, encore un souvenir qui sera gravé et que je n'oublierai pas. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, ce studio, c'est celui que j'ai chez mes parents. Je te laisse aller voir les vidéos, il y en a plein dessus où je te montre mon setup. Cette pièce-là, c'est dans une pièce secrète avec une bibliothèque. Donc bref, je te laisse aller voir la vidéo si tu l'as pas vue. À la base, vraiment, quand j'avais commencé TikTok pour faire venir Inox Tag, je me suis dit vas-y je vais le faire et la première vidéo que j'ai postée au début ça marchait pas du tout, je me suis dit vas-y ça va pas marcher mais tant pis, vas-y je voulais me motiver à tous les jours poster quelque chose sur TikTok pour me bouger le cul et au final ça a grave marché et Inox est venu au bout du 6e jour. Il y a quelques mois j'étais vraiment en déprime, je sombrais parce que je travaille depuis chez moi et en même temps je faisais mes vidéos ici, je faisais tout ici, j'étais vraiment pas bien, j'en pouvais plus, j'avais envie d'arrêter YouTube, j'étais clairement dans une dépression. Et là d'avoir pris ce local avec mon pote, le Lox, ça a clairement tout changé. Je suis encore très loin de ce que je veux accomplir sur YouTube, mais là je viens de faire un pas énorme. Et là ça peut que me motiver à continuer, créer du contenu et m'accrocher et ne pas lâcher ma passion. Toi qui es resté jusqu'à la fin de la vidéo, bah déjà je te kiffe. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets un petit like et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À dimanche, bisous.